Et soit béni.
Je crois que nous avons passé un bon moment. Mais quoi, c'est la guérison est pour le chuchot. Nous avons tiré ce thème dans Malachie chapitre 4 à partir du verset 1 à 2. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui ont confiance à l'Éternel. Le soleil de la justice se lèvera. Et la guérison est sous ses ailes. Alors, pour pouvoir accéder à cet héritage qui est la guérison, il faut que tu sois juste. Et nous avons expliqué ce que nous voulons désigner par la guérison. La guérison, c'est un mal qui a retrouvé sa situation initiale. Une maladie qui est partie, c'est une guérison. Un problème qui est résolu, c'est une guérison. Un besoin qui est satisfait, c'est une guérison. Quand la chose anormale devient normale, c'est une guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons parlé aussi du juste. Et nous avons dit que le juste, c'est celui qui hait le péché. C'est celui qui n'aime pas le mal. Et il n'épaule pas non plus le mal. Et il ne vit pas dans le mal. Il peut lui arriver de tomber dans le péché, mais il se relève. Et le juste, c'est quelqu'un qui ne mène pas une vie de fraude. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui répond aux besoins de Dieu. C'est quelqu'un qui répond aux besoins des hommes de Dieu. Et nous avons parlé à l'or et à l'argent des hommes de Dieu. Comme quoi ils sont deux sources. Source de bénédiction et source de malédiction. Il faut poser des pas qu'il faut auprès d'un homme de Dieu. Vous recevez la bénédiction. Ce que vos parents ne peuvent pas vous donner. Ce que vos propres efforts ne peuvent pas vous procurer. Vous avez cela. Mais si vous posez de mauvais pas, c'est la malédiction qui vient. Mais mon souhait pour toi, c'est que tu aies la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés à la malédiction. Il nous a appelés à la bénédiction. Parce que nous étions maudits. Et par le sang de l'agneau, il a enlevé la malédiction. Donc nous ne devons plus poser des pas qui vont nous amener au stade de la malédiction. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons embrasser un autre domaine. Le juste, c'est celui qui vole au secours des nécessiteux. Le juste, c'est celui qui vole au besoin ou bien au secours des nécessiteux. Celui qui a compassion. Celui qui a le cœur de compassion. Et il veut répondre aux besoins des autres. Il veut être la réponse à la prière des autres. Je donne juste un exemple. Si quelqu'un a faim et la personne ne peut pas trouver à manger, elle se met à prier. Et dit, Seigneur, d'après j'ai faim. Dans le ouïe, j'ai besoin de manger. Donne-moi à manger. Je ne trouve pas du travail. Je vais mourir. Mais les Dieu va répondre à cette bête. Et
comment est-ce que Dieu répond? Et yaleke wa don chino. Dieu peut répondre de plusieurs manières. Ma wate don chile gobu buome. Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Eli. Ma udo akpavia oko luduvana Eli. Dieu peut envoyer des corbeaux pour lui apporter la nourriture. Ma wa gate do akpavia oke wa gato luduvana fa. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Yake nuka ma u. Dieu entre dans le cœur de quelqu'un. Ma u gena da me adebe chi. Et il lui dit. Yo ok blona ne. Lève-toi. Chite. Va et apporte la nourriture à celui-ci. Yi e na konu luduvana meya. Et quand la personne arrive. Na me avanua. Et vous donne la nourriture. Yo tondu du anami. Qu'est-ce que vous dites premièrement? Na ka mi blona gba. Oh Dieu merci. Oh ma wa pelo. Dieu merci. Ma wa pelo. Tu m'as exaucé. Le dotom lo. Et c'est après avoir dit ça. Yi ne blona ma vo. Qu'on dit à celui qui l'a apporté. A fi la va blona me chonwa va la. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Appelo. Que Dieu te bénisse. Ma oule yira oule. Tu es entré dans cette personne. Ma ouge na me mame. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous ka me di me ma blona. Celui qui a compassion. Ame ike me domi trona. Dieu est en lui. Ma oule me. Alléluia. Amen. Dieu est en lui. Ma oule na nire me. Et en tant que chrétien. Ye abe Christ au toi. Dieu doit être en toi. Ma oule la nomme. On doit voir Dieu en toi. Odo la kpo ma oule me. Et puisqu'on ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Yale kon marke kpo ma wa plenty la bebe nkuo. Tu poses des pas. Nada fo. Et c'est pas là. Ye wa fo de de ma wa. Vous dites. Wa de si ome. Vous dites. Wa blebe. Que tu es juste. Amen. Que tu es en toi. Ben ma ou le me. Nous allons lire. Ni akle nous. Dans Actes chapitre 9. Le don en haut est à ma sieke. Le verset 36 au verset 39. Ce pour qui blato va à deux ans, il blato va à sieke. Quelqu'un a posé des pas de foi. Amen. Ne croisez pas foi. Nous allons voir comment il a posé les pas. Ni akpale ke ou da foi. Et quelle était la retombée. Et yé nous kawe dogoto mene. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Si comme elle est Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et on a dormi mieux que des. Et de monde. Le nous n'en a. Elle tomba malade en ce temps-là. Gamma mais elle va jeter. Et mourut. Et au cou. Après l'avoir lavée. Et si on le chineva. On la déposa dans une chambre haute. Au coin d'abord du pauvre homme. Comme Lydie est près de choper. Abba lei Lydia non yo febe duagua. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait. Nous serons là semaine à Petro quand le tepe ma. Envoyèrent deux hommes vers lui. Odon tu febe wa da blonebe. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ne de blava yo bo pata. Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé. Petro chite aye o pla me todo esi o va doa. On le conduisit dans la chambre haute. O pla ide jipo kola me. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Eye a rosi o kata po klere la vie femme. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Eye o cho a wute wi o pla a wu yo ke Dorcas wona o ga me ke o le o gboa. Pierre fit sortir tout le monde. Petro de Amesia meto. Et se mit à genoux et pria. Aye wo jeklo, aye wo tobeda. Puis se tournant vers le corps, il dit. Que etrodenti la kukwa bon aye wo blobe. Tabitha. Tabitha. Lève-toi. Titre. Elle ouvrit les yeux. Et bunku. Et a vu Pierre. Aye wo pa Petro. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Appétant Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non, t'as l'appétant là, mais. Je parle de celui qui vole au secours des nécessiteux. Mais là, pour nous courir, Améiket, son arconana, j'y entends. L'histoire que nous venons de lire. Nous disons, Aïmie, Sephia. Nous parle de Tabitha. Elle est pour nous, pour nous courir Tabitha. Cette femme. Nyonouya. Qui était apôtre aussi. Ikeranye, apostolo. Qui était servante de Dieu. Ikeranye, maoupe, souvola. Et qui ne se contentait pas seulement de prêcher l'évangile. Il ne se contentait pas seulement de dire qu'elle est servante de Dieu. Mais il
qui avait une mission. Qui a compris quelque chose dans la parole de Dieu. Que tout le monde n'avait pas compris. Elle volait au secours d'une nécessité. Et selon cette lecture, il volait au secours des veuves et des orphelins. Celui qui est veuve. Celle qui est veuve. Celui qui est orphelin. Si je voudrais vous décrire un tout petit peu ces champs de personnes. La femme qui a perdu son époux. Celui laquelle aime tant. Avec qui elle partage ses douleurs et ses joies. Il répond à ses besoins. Qui est en quelque sorte sa couverture. Sa protection. Quand on voit son époux, on va la respecter. Si quelqu'un veut le toucher, il se rappelle qu'il a un époux. Que l'époux viendra un jour faire des problèmes. À cause de ça, il est épargné. Et du jour au lendemain, cette femme perd cette protection. Celui qui pourvoit à ses besoins. Elle est le père. Et d'un seul coup, c'est comme elle est sur une place publique nue. Elle est quoi, la maman, le bajaji. Elle n'a plus de protection. Et elle n'a plus de respect. Et sa dignité est piétinée. Et elle commence par avoir des besoins qu'elle ne peut pas satisfaire. Quand le mari était là, le mari pouvait pouvoir à ses besoins. C'est lui que Dieu a mis devant elle pour souvenir à ses besoins. Il n'est plus là. Elle est blessée dans son intérieur. Elle est déséquilibrée moralement. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement. Ou soit elle devient timide. Ou bien elle devient méchante, violente. Ça dépend de comment la chose lui est arrivée. Elle va penser que la nature n'a pas eu pitié d'elle. C'est la même chose pour l'orphelin qui a un père, qui a une mère, qui lui donne de l'amour, la tendresse, qui pourvoit à ses besoins, qui devient sa fierté et sa protection. Et du jour au lendemain, il perd son parent. Et il est maintenant aller libre. Azoa et Chibajaji. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a récupéré. Et ce qu'il attendait recevoir de cette personne-là, il ne peut pas l'avoir. Parce que seuls les vrais parents sont capables de procurer la joie parfaite à leurs enfants. C'est d'avoir perdu leurs parents. Et ils ont perdu leur affection. Ils sont à la recherche de l'affection. Oh, les lolons, ils sont à la recherche de quelque chose qui manque. Il y a un vide en eux. Et ils ont l'impression que la nature a été très méchante à leur endroit. Et ces enfants-là, ou soit l'enfant devient du coup timide, il ne dit rien. Il est toujours calme. Abonupo. Il ne réagit pas. Manokenu. Il est toujours mou. Efa. Ou bien il devient violent. Alors là, soit damame. C'est comme il est en train de régler des comptes. Elle est quoi, ben, elle est dokojo. Il est en train de régler des comptes. Elle est on dirait que c'est les hommes et les autres qui sont
Ceux qui l'entourent, ce sont eux qui ont tué ses parents. De quoi là-bas, mais yo pour que là-bas ouais vous dit là ouais. Je vous explique tout ceci. Mais le nous si on me demande. Pour vous dire que. Benama Brona Obi. La veuve et l'orphelin. A aussi plein de choses. C'est des gens qui ne sont pas émotionnellement stables. On y a merdé, ils comme l'eau que on me a pas. Ils ont des problèmes non seulement. Ils ont besoin des choses matérielles, oh. Mais ils ont aussi besoin de l'affection. Oh, rien à nous, les nous la méga, rien à l'honneur. Bien aimé dans le Seigneur. Non, non, la Dieu autorise le malheur dans la vie de certaines personnes. Ma ou pour que cela devienne toi ta bénédiction. Ben pour que cela devienne toi ta grâce. Ben wazwa, Dieu peut autoriser un malheur dans la vie de quelqu'un. Ma ou de ben Dieu a autorisé un malheur dans la vie des veuves et des orphelins à Jopé. Ma ou de ben tu es vite prêt aussi au bas de mes yeux, bébé, tu as mis. Est-ce à l'opé? Il est l'opé, bébé, tu as mis. Dieu est dans le cœur de quelqu'un. Maoula, mais bébé, tu mets. Et cette personne. Et à mes mains. S'appelle Tabitha. Oui, on avait Tabitha. La Bible dit. Bible, la bête. Elle coud des vêtements pour les veuves. Et ton aouna aussi. Elle donna à manger aux veuves. Et nana nous doudou aussi. Aux orphelins. Et tu es vieux. Il est toujours au petit soin. Elle est obéga, rien au bâton. Chaque fois. Mais si elle. Elle les visite. Elle dit n'attaque pas là. Et elle voit au moment des fêtes, elle apporte des cadeaux. Elle est à Zagbewa. Elle va voir si ils ont eu un manque de nourriture ou bien de vêtements. Et pendant que les nanes le ouvrent là. Elle a fait faire quoi? Elle est en train de jouer le rôle de papa. Elle est où? Elle d'Adassi. Et le rôle de maman. Elle d'Adassi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, la bête, la ce que ces hommes qui sont morts là devaient faire pour leurs femmes là. À même tu vois, yoko, à nous yoro là, on a Tabitha s'est substitué à eux. Tabitha dans et elle fait ce travail-là. Et yo, le dom, ah, oh. Pas pour que les gens l'apprécient. Mais, ni ben, amour, ne kafou, yo. Mais pour exprimer la manière dont Dieu loge dans son cœur. Ben, Dieu t'avait déjà dit. Mais, ben, non, va, si Dieu est dans ton cœur, ben, ben, cela ben. Se remarque à travers tes actes. A de to, a fonde de elle homme. Faisait ses œuvres. Et, non, nous, ya, oh. Et adorait Dieu. Et, non, ma, ou, tout le monde l'appréciait. Si, ben, parce que c'est de bonnes œuvres. La Bible dit qu'elle faisait de bonnes œuvres. Elle est donnée au monde. Qui pour moi ont besoin d'une nécessité. Américain le temps le don il a besoin de faire de bonnes œuvres. Il y a rien qui a le retenue et les autres œuvres elles ne sont pas bonnes. Aïe donc portez un énorme nom. Les autres œuvres ne sont pas bonnes. Donc portez un énorme nom. La Bible précise que c'est de bonnes œuvres. Bible a dit ben Dieu ben a donné. L'œuvre sociale. Et radio mec ben. C'est de bonnes œuvres. Et donne lui Dieu. Ça révèle que Dieu est dans la personne. Tabitha fait ce travail. Et la Bible dit. Et la Bible a dit. Elle tomba malade. Elle a dit donc. Et je suis sûr. Elle a sillonné les hôpitaux. Mais elle a trouvé la guérison. Elle a tout fait pour trouver la guérison. La situation s'empirait. Non, non, mais elle a prié. Puisqu'elle est disciple. Puisqu'elle est apôtre. Elle a dû prier. Les frères ont prié avec elle. Mais on dirait que Dieu n'entendait pas. Et la situation s'empirait. Non, non, mais la Bible dit. Bible a ben elle mourut. Écoute. Si tu as atteint d'une maladie qui ne finit jamais, alors ça va que tu vas vivre. La mort t'appelle. Si la maladie refuse de partir, alors c'est la mort qui t'appelle. Elle est malade, la maladie ne finit pas jusqu'à ce qu'elle est morte. Et quand elle est morte, quelque chose s'est passé. Non, non, non. Quelque
Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, il y a eu un remue-ménage. Ce remue-ménage provenait de qui? Fika hunya hunya cho. Les gens ont appris. Amosebe. Que Tabitha est morte. Be Tabitha cou. Les gens ont appris. Amosebe. Que Dorcas est morte. Be Dorcas cou. Que les gens meurent. Na mokwa. On crie. On donne pas. On pleure. On fanafi. On fait oh. On va faire oh. Quand tu as permis ça. Après toi nous continuons de manger à nous. Difficile. Et y a 60 ans. Mais cette fois-ci. Dakar koya. La lamentation sera différente. Et nous kaka tovo. La lamentation était différente. Les veuves étaient venues. Les orphelins étaient venus. Et tu viens au ado. Quand elles ont appris. Et yo sebe, que celui qui remplace leur mari. Ame idolina yo celui qui remplace leur père. Ame idolina yo tope et qui joue le rôle de papa. Ye wo le, tope to da si et qui fait que elle ne réfléchit plus. Ike webe, yo me gabuna que elle ne sent plus soucieuse. Yo me gabuna tame son elle bon. Est partie. Et quoi? C'est fini. Eva. Toutes les femmes se sont levées. Non, non, on catantite. Les enfants se sont levés. Et devient en catantio. Et ils ont pris les tuniques. Et yo toi ou à eux. Les choses de souvenir. Et nous yo que t'habites à eux. Pour la nourriture. Non, nous doua. La nourriture tu manges et tu devais quelque part. Ne veux du quoi, elle va y quoi avant. Mais les habits autres sont là. Vont à ou à eux à eux. Ils sont tangibles. Oh, les wa te mal loin. Donc ils ont elles ont pris tout ça là. Ta oh là moi aussi. Et elles ont commencé par crier. Et yo toi pas de Dieu. Ma ouais. Pourquoi tu es méchant comme ça? Nous quand le vol il est tu veux tout enlever. La terre où on sauf Tabitha. Tabitha ma tu peux emporter tout le monde. La terre où on me sert. Mais Tabitha. Votre Tabitha. Tu ne peux pas l'emporter. Ma terre où Dieu. Ma ouais. Nous ne sommes pas d'accord. Mi me dasi le Dieu. La Bible dit. Bible la belle. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ma ou tonne à monsieur Benjiba. Dieu écoute la voix de la veuve. Ma ou sena aussi Dieu écoute le cri de l'orphelin. Ma ou sena tu es libre. Il est tout proche d'eux. Ma ou te gogo. Pourquoi quand tu investis dans leur vie? Ayantine le tonne ou le dos ma gbeme. Qui est dans les 6 mètres de Dieu? Ne le ma ou même ta ma deo. Tu es dans l'agenda de Dieu. Ne le ma ou ma dans le gamme. Tu es dans les favoris de Dieu. Ne le ma ou même l'entend au domi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, les veuves vont pleurer. Ah, aussi, on elles vont réclamer. Oh, yo, bien, maintenant. Que Tabitha revienne. Tabitha n'est trop bon. Comment est-ce qu'elles ont procédé? Le cœur ou un dos. Elles sont parties voir les autres apôtres. Oh, il va pas nous sur la porte. Elles ont pris par le col. Oh, yo, le col là maintenant. Oh. Elle a dit. Oh, brother. Vous êtes apôtre. Mio, mini apôtre. Vous êtes ici. Mille te père. Et Tabitha est mort. Tabitha cou. Vous tous là. Mio, au kata. Vous ne nous donnez rien. Mais maintenant, la mina le cœur. Quelqu'un nous donne des choses. Mais il en a mis noir. C'est Tabitha. Tabitha. Vous l'avez laissé partir. Allez la chercher. Il faut prier pour qu'elle revienne. Donc, nous ne voulons plus rien entendre. Nous voulons entendre qu'elle est revenue. Mais à la maintenant, les apôtres aussi ont des problèmes. Apostolo, et dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Notre onction, le niveau de notre onction, là, ne peut pas réveiller un mort. Et eux aussi, ils ont appris que Pierre était à Lydie. Et alors, se met à Petro, la doit de même. Lydie. Et ils ont envoyé les gens chercher Pierre. Et yo, doit me mettre à Onebe, dit Petro. Quand Pierre est venu. Et si Petro va. Les vrais volants encore attrapés. A Rossi, on va aller. Il dit, ah, Pierre. Oh, mais à Petro. Nous avons appris que tu es ressuscité de la mort. Bien, se met le fond à me coucou. Tu vas le faire tout à l'heure. Là où est Fifia. Tabitha doit se réveiller. Tabitha doit la faire. Nous ne pouvons plus trouver quelqu'un comme lui. Mima Gakpo, mais de Kabeya. Tabitha doit revenir. Tabitha doit la boire. Arrivé. Nous nous exigeons. Pour les veuves. Pour les orphelins. Nous exigeons. Qu'elle revienne à la vie. Peu importe quelle maladie l'a tuée. Quelle maladie, cancer, quoi. Ce que nous voulons. Qu'elle revienne tout à l'heure. Et Pierre a dit, vraiment, il y a un grand problème. Et Pierre s'est mis à prier. Et il peut être trop tard. Il a invoqué le ciel. Et les anges étaient en remue-ménage. Tout le ciel était bouleversé. Les anges criaient un peu partout. Oh Dieu, notre tâche, ce que nous devons faire, c'est nous qui devions partir du ciel pour aller apporter la nourriture à ses enfants. Mais c'est cette dame qui nous a remplacés. C'est elle qui fait les choses. Et nous, nous sommes en repos. Elle est devenue l'ange de veuves et des orphelins. Dieu, qu'elle revienne à la vie.
Les anges intercédaient. Dans la haut, les apôtres intercédaient. Apostolo, les dieux intercédaient. Les apôtres intercédaient. Dieu est mélangé au ciel. Et Dieu a vu. Et a dit non. Vous avez raison. Vous avez raison. Elle doit revenir. Elle doit revenir. Tabitha. Retourne à ta fonction. Retourne à ta fonction. Retourne à ton travail. Retourne à ton travail. Retourne à ton travail. Retourne à ton travail. À tes bonnes œuvres. Il donne lui. Alléluia. Amen. Investir dans la vie des êtres vulnérables. Et tu nous dis, il y a tout à même dans la mort, elle est revenue à la vie. Et courant, mais là, elle est trop bon. La Bible dit qu'elle s'est réveillée. Bible avait un fort. Après la prière de Pierre. Et il peut trop donc. Elle a ouvert les yeux. Et vous coup. Et elle s'est réveillée. Et au fort. Et quand elle s'est réveillée. Et si au fort. Qu'est-ce que Pierre a fait? Nous qu'à Petro. Pierre est sorti. Petro Dogo. Elle a appelé les veuves. Et yo, yo, aussi. Celles qui l'ont tenu par le col. Mais yo, le col a mené. Celles qui l'ont demandé. Mais yo, bien, ben, de la réveiller. Neuf fois. Et tu viens, venez, venez. Eh bien, m'y va. Prenez votre tabita. M'y promis avec tabita. Prenez votre papa. M'y promis à toi. Prenez votre papa. M'y promis à toi. Bien aimé dans le Seigneur. Non, attends la paix, attends la paix. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Bien aimé, ma ou via. Dieu est en toi. Ma ou le meurt. Deviens papa de quelqu'un. Zoutan la merde. Deviens maman de quelqu'un. Zoutan la merde. Même si tu meurs. Ne le gars, coucha. Tu vas revenir. La gloire. Tu seras sur le point de mourir. Là, non, comment dit. Tu seras au bord de la mort. Là, non, coup de nous. Mais à cause des œuvres. Faut le tomber nu au qui a donné la joie à un orphelin. Elle avait le nature vie de quoi. La veuve l'a béni. A rossiné Irao. Tu vas revenir. La trombe. Tu peux être au devant la mort comme ça. La tête au cou de nous. La mort peut te donner la main taille. Quoi la tête nation ta. Tu vas revenir. La boue trombe. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et il y a un yo. Je suis en train de te dire. Lui, mais le bon plan. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Mais quoi, mais tu y pas. Je l'ai expérimenté. Mais tu y pas. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner. La série que de haut, la celui qui accomplit l'œuvre sociale. Amen. Quelle est votre il a accompli tous ses jours sur la terre avant de partir. Ah ouais, ben que au pata la dit va dire tout quand tu accomplis l'œuvre sociale. Mais le retombe, non non mais toi. Tu investis ton argent dans la vie des autres. Elle est ton gars au corps les dames vous voyez. Les enfants que toi tu n'as pas mis au monde. Et vie au moi mais Dieu. Les enfants, la femme qui n'est pas ta femme. Et non lui que mes sœurs. Tu subviens à ses besoins comme si c'était ta femme. Ne l'est pas mes gars, au bois. Tu subviens aux besoins de l'enfant comme si c'était ton enfant. Ne l'est pas de vie, mes gars, au bois. Tu lui donnes l'affection. Le temps l'on l'honneur. Dieu vient chaque jour. Maoula ne va pas me baisser à bébé. Dieu vient chaque jour dans ta vie. Maoula ne va pas me baisser à bébé. Tu as Tabitha. Maoussra Tabitha. Le ciel est en mouvement. Jipo boubou. Peut-être des fois, ça se passe inconsciemment. Il y a un tchonaïko au menyana. Parce que tu envoie de l'argent dans la vie des orphelins. Elle a bien le temps d'accord le dé, tu es venu ma belle. L'orphelin n'a t'a pas vu. Tu es venu à me pau. Il ne te connaît pas. Mais Jesse O. Mais celui qui a amené l'argent là. Va me gava. Spirituellement. Le bon bon mère. L'esprit de l'enfant, la veuve. L'esprit de la veuve, l'esprit de l'orphelin. L'orphelin s'attache à toi. Et tu es venu bravo aussi. On me bon bon là, traverse le bon bon. Il s'attache à toi. Ouais, et il intercède. Il se garde le mal. Ouais, tu dois être sur le point d'être écrasé par une voiture. Et vous l'avez au foyer. On dit la tête de quelqu'un conduit quelqu'un. Son esprit va combattre. Que celui ou celle-là qui me donne à manger, qui permet à ce que j'aille à l'école, que rien ne lui arrive. J'ai fait une révélation un jour. Mais quand on est fier de Béka. J'étais malade. Mais je dors. Et dans ma révélation, c'est comme on m'a appris, j'étais en train de partir. Mais le coup dit. Et dans ma révélation, c'est comme j'étais en train de mourir. Et on va tomber le jour. Et on est en train de m'emporter. Et j'ai vu mes orphelins. Il y a mes potes, un vigneau. Tous, eux tous. Wapata. Et ils se sont accrochés à moi. Yo, le rentine. Et ils me tiraient. Wow, tu es en train de me tirer. Et tu ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. On m'a dit. Ne t'en vas pas. Ngajo. Ils ont réussi à me tirer. Yo, Jababa, caca. Et je me suis réveillé. Il y a mes fonds. Il dit, waouh. Il me dit, waouh. Yes. L'esprit de ces enfants-là. Des vies, on peut boire à Wavana. Arrossi, fais bonbon, lave les taux. L'esprit de la veuve va te sauver.
Tu es vivre bon là pour le temps. L'esprit de l'orphelin va te délivrer. C'est devenu une affaire spirituelle. C'est devenu une affaire spirituelle. Quelque chose qui veut t'arracher auprès de tes enfants. Le travail que tu fais va te ramener à la vie. Dieu ne va pas accepter que ton enfant soit orphelin. C'est ce que Dieu m'a dit. Que quand je fais ce travail, tous ceux qui vont investir dans cette fondation, le verre sera dans leur vie. Amen. Le verre sera dans leur vie. Ils ne vont pas mourir sans avoir grandi. La maladie incurable devient curable. Le ventre stérile va concevoir. J'ai reçu beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup des autres pays. Qui sont venus spécialement. Dieu leur a parlé. Ils leur ont dit. Va au Togo. Va voir une dame. Il avait pogné qui a créé une fondation. Il faut la chercher. Dis. Et ils m'ont cherché. Yo, Jim. Ils sont venus. On va. Et ils ont semé. Yo, panu. Quand ils ont semé, yo, panu, ils ont demandé. Mais bien, quel est votre besoin? Nous, quand il y avait rien. Et nous sommes mariés depuis 20 ans. On m'a mis des trompes blaves. On n'a pas d'enfant. Mais me dis pas. Et j'ai dit. Yo, me bena. Nous allons prier. Mi a dog bena. Et quand j'ai commencé, j'ai juste fermé les yeux. Et si même mis en cause le cas. J'ai vu les anges de Dieu apporter un bébé. Mais comment vous donnez au corps de Dieu la santé? Je n'ai même pas commencé ma prière. Je n'ai pas tant bien que tu as d'odeur. Je vois les anges lui apporter un bébé avec précipitation. Mais comment vous donnez le corps de vie à nez pata pata? Aujourd'hui elle a accouché. Et bien elle dit. Bien aimé dans le Seigneur. On entend les Yesu mais. Ce que la prière ne peut pas faire. Nous il peut d'odeur à mater ou aller. Les œuvres sociales peuvent le faire. Dominons mon roi à te voir. Les portes vont s'ouvrir de toi. Abouna. Les portes s'ouvrent. Abouna. La vie, tu vas acquérir la vie. La quoi ben. Même si tu dois mourir, ne le tu ne vas aller. Pas mourir. Mais le Ézéchias était sur le point de mourir. Ézéchias le coup m'a dit. Il était sur le point de mourir. Et le coup m'a dit. Dieu lui-même lui a dit. Ma cette maladie là. Mais c'est une maladie de mort. Il est tu vas mourir. La coucou. Mais Ézéchias a fait une prière. Voilà Ézéchias tout bénéda. Il a dit. Et provena. Oh Dieu. Ma oué. Rappelle-toi. Donc, je suis bien au besoin des vœux. Ben me prends à toi un vieux. Et des orphelins. La aussi. Quand je vais mourir là. Ne me couardez. Ils vont devenir quoi? Nous car on y a trop. C'est moi qui défends le faible. Et n'y est qu'on en a qui attend. C'est moi qui défends le pauvre. Et n'y est vous n'a mais d'arrêter. Si je meurs. Ne me couardez. Ils vont devenir quoi? Nous car ce gars. Tu rappelles-toi de mes bonnes œuvres. Ma ou donc où n'y est donc. Et accorde-moi la vie. Et la nama ben. Bien aimé. Non non. La Bible dit. Bible la ben. Esaïe n'a pas encore quitté la maison des Ézéchias. Et ça avait pas dolé, mais comme il est revenu et trois et le cas, il dit va gloire. Ben Dieu m'envoie te dire, yo, avec ma gloire, ben exaucé, mais bientôt tu as raison. Et n'y a aucun, oui, tu as raison. Et n'y a aucun, tu touches mon cœur. Le cas, si tu m'as rappelé quelque chose, le bloc ou n'en est pas raison valable pour que tu continues pas à vivre. Il y a si tu n'y avais maintenant à faire la encore 15 ans. Maintenant, on peut lui attendre. Bien aimé dans le Seigneur, on entend le Yesu, mais c'est des choses que nous ignorons. Mais beaucoup comprennent. Beaucoup comprennent. Il faut que chaque jour, quelque chose tombe de ta vie. Quelque chose soit investi dans la vie de quelqu'un. Nos frères musulmans comprennent beaucoup ça. Quand elles arrivent au marché, elles vont monnayer l'argent. Verset franc. Et elle va déposer 1000 francs. Pour elle, cette journée-là, mi-fra doit sortir d'elle. Mi-fra, si un aveugle passe, il donne 25 francs. Un boiteux passe, il donne 25 francs. Et maintenant, qu'il va aller à son pot dans le canet. Tu crois que tu vas vendre plus que. Un conseiller à Sanouchouia. Tu crois que tu vas trouver de l'argent plus que. Un conseiller à Pogawia. Elle n'est pas folle. Mais il y a un bateau. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a un orphelin, tu es viré là. Il faut l'opprimer. Fifi, la gassi de toi. Il y a une veuve. La grossi de toi. Il faut lui retirer toutes ses
La femme elle est prostituée. Toi un chrétien, toi si tu es dans ce groupe. Toi si tu es dans ce groupe, vous oppressez la veuve. Vous oppressez les orphelins. C'est quoi? Dégage. C'est moi qui ai tué ton père. C'est moi qui ai tué ta mère. Parle sans réfléchir. C'est comme ce qui lui est arrivé là ne peut pas nous arriver. Donc on l'a ben lui John est déjà matin. John est déjà sur la terre, Dieu est dans les cieux. Non, t'as dit quoi dire le maouya le dipo. Dieu veut te bénir. Maoudi ben yira. Ta bite est revenue à la vie. Ta bite a trop bova. Elle est morte. Un coup. On l'a lavé. On le tient. On l'a exposé. Au glaire. Prête à être enterrée. Mais y a quoi à la vie? Mais son enterrement n'a pas eu lieu. Voyez ben quoi avec tes yeux. Elle s'est réveillée. Un fort. Parce que elle fait des bonnes œuvres. Qui veut faire une bonne œuvre? Qui veut faire une bonne œuvre? Le Seigneur sera avec toi. Après toi, non plus. Pour te défendre. Pour te défendre. Pour terminer, il y a une soeur qui m'a appelé la fois dernière. Je suis sûr qu'elle est en train de me suivre tout à l'heure. Elle nous a suivi sur YouTube. Elle YouTube dit. Et nous avons donné la parole. Et elle dit. Que dans son travail, il y a un problème de compression. On va compresser les gens parce que à cause de la maladie Covid. Le Covid ben dans les il faut diminuer le nombre. Et elle dit. Maman, la situation actuelle. Si on me renvoie là, ce serait vraiment une catastrophe. Et nous la donc je veux semer dans la vie des orphelins qui sont près de toi. Et elle a envoyé une enveloppe de 50 000 $. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Et qu'il t'entende. Moi j'ai oublié. La fois dernière, elle m'a encore rappelé. Elle dit, maman, tu te rappelles de moi? C'est moi qui avais suivi l'émission sur YouTube. Et YouTube dit. Et j'ai envoyé une semence. Mais Dieu a opéré un miracle. Dans mon département. Tout le monde a été renvoyé. Je suis la seule qui reste. Dans mon département. On a renvoyé tout le monde. Moi-même, on m'avait même envoyé une lettre de licenciement. Mais quand je suis allé voir notre patron, et j'essaie de lui expliquer certaines choses. Elle a dit, il faut oublier ce papier-là. Eh bon, on peut vous maman. Reviens à ton travail. Oui, à travailler encore. Bien-aimé dans le Seigneur. On entend les Yesus. Elle a semé. Une fois nous. Dans la vie d'un être qui est très proche de Dieu. Les améadés, que tu es, tu es vide, que somme ou bas, mais bon. Et tu sais rappeler d'être. Et il m'a ou donc quoi. Alléluia. Eh bien. Dieu se rappellera de son. Ma ou donc quoi. Dieu se rappellera de toi. Ma ou donc Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie là. Nous y'a katakoula baumer. Par revenir à la vie. Elle a boabé. Ce que tes enfants doivent subir là. Nous y vivons, nous y dans la journée vie aussi. Ils ne vont plus subir ça. Ma ba journée wati. Parce que les orphelins ont déjà subi ça. Elle a battu un vieux autour me vont. Et tu as déjà fait un sacrifice pour ça. Et le savon de le fumoir dans le wata. Que le Seigneur te bénisse. Ma oune yira. Nous allons prier le Seigneur. Il est déjà tout béda. Je ne sais pas si toi, tu as eu à persécuter une veuve ou un orphelin. Tu vas prier le Seigneur. Voilà, tout béda na mao. Nous demander pardon. A de koukoune. Que le Seigneur te pardonne. Benetoke. Parce que leur vengeur. Et là, quand il se lève. Mais tu es fini. Et voilà. Commence pas à demander pardon à Dieu. Tokoukoune de na mao. Pour la négligence. De à l'obligé à ta. Que tu as vu mourir mais tu n'as pas réagi. De vie le pauvre couvre mais tu vois avec eux. Les enfants qui avaient faim mais tu n'as rien fait. Mais ils dorment couvre mais tu n'as rien du tout ciao. Les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école mais tu n'as rien fait. De vie au matin ils se couvrent mais tu vois avec eux. Tu n'as rien fait. Mais on a avec eux. Pour qu'ils retournent à l'école. Mais on a trois ils se couvrent. Pour qu'ils soient bien habillés. Mais dans ma toi où ils sont. Mais tu les as méprisés. Va le tout flo. Demande pardon à Dieu. De coucou la main. Seigneur, nous prions maintenant. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui oppressent tes enfants. Pour tous ceux qui oppressent, Seigneur, les cheveux, les enfants.
Oh Dieu, pardon. Que ta colère s'apaise, mon Dieu. Que ta colère s'apaise. Seigneur, si ta colère ne s'apaise pas, ce serait très difficile. Oh Dieu de gloire, que ta colère s'apaise. Que ta colère s'apaise. Que ta colère s'apaise. Que ta colère s'apaise. Nous allons encore prier le Seigneur. Peut-être que tu es en train d'investir dans la vie des orphelins. Mais tu es devant un problème. Et tu penses que le problème va t'amener. Nous allons prier. Tu vas rappeler à Dieu ce souvenir. Que Dieu. J'ai investi dans ton champ. J'ai investi dans la vie des veuves et des orphelins. Rappelle-toi de moi comme tu t'es rappelé de ta vie. Au nom de Jésus. 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 Les mots qui est actuellement dans un problème. Oh Dieu, les œuvres ne nous sauvent pas pour nous donner la vie éternelle. Mais les œuvres peuvent nous sauver sur cette terre. Oh Dieu de gloire, délivre-les de leurs problèmes. Délivre-les de leurs maladies. Ceux qui sont abonnés. Et chaque fin du mois, ils envoient quelque chose aux enfants. Seigneur, rappelle-toi d'eux. Ceux qui font quelque chose, donner le sourire, donner la joie, vivre veuve quelque part. Seigneur, reprenne vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous venez d'écouter votre servante, Madame Pasteur Habitant Macafu. Madame Pasteur Habitant Macafu. Venant descendre de prière, piscine de guérison. Bientôt, Bédora Feyoko, il y aura la piscine de guérison. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au Togo à Lomé. Bien, le Togo, le Lomé. Et vous pouvez appeler le 00228. Atteignez 00228. Qui est l'indicatif du Togo? Il y a Togo, Jesse. Et le 98. Et là, il y a le 98. 18. 75. 32. 98. 98. 18. 75. 75. 32. 32. Fais quelque chose pour les enfants. Fais quelque chose pour les veuves et les orphelins. Et cela sera écrit. Oh, yeah. Amen. Amen. Amen.